si son nom ne vous dit rien, si est-il parce qu'elle n'a pas eu la carrière espérée. Tout juste nommé ministre des Sports par Elisabeth Borne ce vendredi 20 mai, Amélie Oudéa-Castéra n'a jamais réussi à se faire une place dans le panthéon du tennis. Sa courte carrière de joueuse professionnelle ne lui a pas donné la célébrité qu'elle souhaitait. Pourtant, Amélie Oudéa-Castéra était baignée dans la petite balle jaune jusqu'au cœur de sa vie sentimentale. Alors âgée de 19 ans, la nouvelle ministre des Sports a vécu une idylle passionnelle avec le joueur brésilien Gustavo Kuerten, en 1997. Cette année-là, le célèbre tennisman, qui n'occupait que la 66e place mondiale, a remporté Roland-Garros. Mais si les deux tourtereaux ont vécu une intense passion, cette dernière a été de courte durée. Quelques temps plus tard, ils se séparent et Amélie Oudéa-Castéra décide de se concentrer sur de longues études. Amélie Oudéa-Castéra a vécu une véritable passion avec Gustavo Kuerten si bien qu'elle se retrouve sur les bancs de la prestigieuse école de l'ENA, dans la même promotion qu'un certain Emmanuel Macron. Une fois son diplôme en poche, Amélie Oudéa-Castéra se lance dans une carrière privée. En 2004, elle commence à travailler en tant qu'auditrice financière à la Cour des comptes avant d'enchaîner avec un poste à la Société Générale. Si est ici qu'elle rencontre son époux actuel, le directeur général de la banque, Frédéric Oudéa. Si sa carrière a été aussi riche qu'éprouvante, Amélie Oudéa-Castéra n'a jamais oublié sa première passion, le sport. En 2016, elle décide de créer l'association Rénovons le sport français, ce qui l'a menée à devenir ministre des Sports et des Jeux Olympiques ce 20 mai 2022. Amélie a une exigence et une capacité de travail impressionnante. Elle a une capacité de mobilisation et une intensité exceptionnelle dans l'engagement. Elle a toujours conservé la culture du haut niveau, a même confié à son propos la championne de tennis Amélie Mauresmo dans les colonnes du Figaro. Loading widget.